des témoins, et peut-être que Méline vous le dira, à qui on a essayé de demander de supprimer les vidéos qu'ils avaient prises. C'est vrai, on vous demandait de supprimer les vidéos. On m'a même menacé de garde à vue. On vous a dit quoi exactement? En fait, j'ai été convoquée à la police qui s'occupe des accidents de la route. Bon, j'ai fait ma déposition, j'ai transmis les vidéos. Et à la fin, une fois après avoir signé ma déposition, il y a une dame qui est rentrée dans le bureau et qui s'est présentée à moi en me disant comme quoi c'était elle qui m'avait appelé le matin même et envoyé la convocation pour venir. J'ai dit oui, ok. Et donc, elle me dit, les vidéos que je viens de leur transmettre, il va falloir les effacer. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, oui, il va falloir les effacer, vous n'avez pas le droit de les garder. Je lui dis, moi, j'effacerai rien du tout. Et à ce moment-là, elle me dit comme quoi, ça va très mal aller pour moi, je vais avoir des gros problèmes et je vais finir en garde à vue. J'étais